Alors nous sommes toujours avec ce verset difficile, en lui, en Jésus, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et je veux juste insister là-dessus pour aujourd'hui, avant la fondation du monde. Quelqu'un dira, mais ça c'est, tout s'est passé avant la fondation du monde. Oui, parce que avant la fondation du monde, Dieu avait déjà résolu de donner son Fils, Dieu avait déjà choisi eh bien, de nous sauver, de nous bénir de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Vous amenez juste à réfléchir, vous savez, quand Dieu a fait le monde, quand Dieu a créé le monde et la terre, lorsqu'il a fait Adam et Ève, il savait déjà la catastrophe que ça allait avoir. Il savait déjà qu'il y allait avoir une chute, il savait déjà eh bien, qu'il y aurait des problèmes et ce que l'homme finirait par faire de la création que Dieu était en train de faire. Mais alors quelqu'un me posera la question, mais pourquoi Dieu fait-il l'homme s'il sait d'avance qu'il va y avoir une chute? Parce que Dieu sait que ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de donner son Fils, ça vaut la peine d'offrir Jésus en rançon pour l'humanité, parce que pour Dieu, eh bien, la relation qu'on peut avoir avec lui aujourd'hui, cet amour que l'on peut manifester à son égard, cette intimité qu'on peut avoir avec lui, ça a de la valeur. Lorsque nous sommes reconnaissants, lorsque nous lui montrons de la gratitude, eh bien, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Ça en valait la peine. Et quand on réalise ces choses, que Dieu a choisi, malgré tout, eh bien, de faire l'homme et la femme, que Dieu a choisi, malgré tout, de donner son Fils afin de racheter, de libérer et d'affranchir avant la fondation du monde, c'est là que tout s'est décidé, que Dieu a choisi, que Dieu a délibérément, eh bien, pris cette décision de donner son Fils, d'offrir son Fils, de nous bénir de toute bénédiction en Jésus, dans les lieux célestes, c'est là que tout s'est décidé. Alors c'est pour cette raison que Dieu dit, que l'apôtre Paul dit que Dieu soit béni. Mais notez bien qu'il dit que si nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ, eh bien, c'est dans un but précis. Ça a été avant la fondation du monde, mais il y a un pour. C'est pour une raison précise, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pour que nous soyons irréprochables, sanctifiés, que nous devenions eh bien, ces enfants de Dieu d'adoption, eh bien, c'est pour cela que Dieu a donné son Fils, choisi, c'était un choix délibéré de donner son Fils, c'était un choix délibéré d'offrir Jésus afin eh bien, de nous sauver, de nous racheter. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans la suite de ce verset que nous verrons demain. C'est dans un but précis pour que, et nous voyons ça demain.